Suivant. Bonjour. Passeport, s'il vous plaît. Merci. Madame Sylvanie, c'est ça? Ok. Alors, dites-moi, ce sont vos enfants? Ils sont trois. Ok. Alright. Vous allez dans quel état aux États-Unis? En Alabama? Et pourquoi Alabama? Oh, parce que vous connaissez quelqu'un là-bas. Quel est le lien que vous avez avec cette personne-là? Ok. Un cousin. Et je peux avoir vos relevés, sinon votre niveau scolaire. Vous avez eu le bac. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment? Que faites-vous dans la vie? Pardon? Vous êtes infirmière. Et vous travaillez dans quel hôpital ici? Ok. Où avez-vous eu votre bac? C'était dans quel établissement? Je peux avoir une copie? Votre bac se trouve à l'intérieur. Vous avez beaucoup de documents. Alors, dites-moi, vous avez joué à la loterie dans les documents que j'ai ici. Vous avez joué seul, mais je vous vois accompagné de trois enfants. Ce sont les vôtres? Quels sont les noms? Je peux avoir leurs actes de naissance. Oh, c'est dans la même enveloppe. Ok. Cinq ans, 8 ans et 9 ans. 8 ans et 9 ans. Et ce sont vos enfants. Alors, dites-moi, pourquoi vous avez joué seul sans pourtant déclarer vos enfants? Vous avez joué à la loterie seul, mais vous venez aujourd'hui à l'interview avec vos enfants. Vos enfants sont nés avant les résultats. Après l'inscription, vos enfants sont nés. Je vois qu'il y a des, il y a des âges, il y a des 9 ans, il y a des 8 ans. Donc, vos enfants sont nés avant les résultats, après l'inscription. Mais pourquoi ne les avez-vous pas déclarés pendant l'inscription? Ça vous a coûté quoi? Ils n'étaient pas avec vous. Où étaient-ils? Avec leur père. Mais vos enfants qui vivent avec leur père, ils sont toujours vos enfants, non? Ok. Et je sais pas. Vous savez, est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de déclarer vos enfants, de déclarer jusqu'à 8 gosses? Vous avez cette possibilité-là. Et je ne suis pas sûr qu'on vous demande de l'argent pour déclarer les enfants. Vous déclarez lorsque vous jouez. Et si vous gagnez, vous venez avec vos enfants. Maintenant, aujourd'hui, vous avez gagné à la loterie et subitement, vous vous pointez avec les enfants qui sont âgés. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on comprenne cela.
Si on aurait même été un peu plus sage, de venir seul et de faire venir peut-être vos enfants après. C'est ce qui aurait été sage. Mais vous venez avec vos enfants que vous n'avez pas déclarés. Ça veut dire que ces enfants, normalement, sont censés être nés après l'inscription. Vous savez, le meilleur piège dans ça, c'est lorsque vous jouez à la développerie, on s'attend à ce que vous disiez la vérité de l'état dans lequel vous êtes. Si vous n'avez pas de diplôme, dites vous n'avez pas de diplôme le jour où vous jouez l'inscription, vous jouez à la développerie. Ne mettez pas j'ai un diplôme en vous disant que vous irez passer un examen et vous allez obtenir le diplôme. Parfois, vous ne l'obtenez pas. Et même, quand bien même vous l'obtenez, lorsque vous arrivez ici, nous allons vous torturer. Parce que c'est un diplôme qui n'était pas censé être inclus. Donc, j'aurais bien aimé vous donner le visa. Je ne peux pas. Vous allez tenter une nouvelle, votre chance prochainement.